Bonjour. Bon, on va traiter un exercice sur un ordre complexe. L'exercice est le suivant. Soit U un ordre complexe tel que le module de U égale à 1. Pardon. Et U est différent de 1. Montrez que le réel de 1 sur 1 moins U est égal à 1 de 1. C'est-à-dire la partie réelle de l'ordre complexe 1 moins 1 sur 1 moins U est égal à 1 de 1. Bon. On a module du U est égal à 1, est équivalent à U existait appartenant à R tel que U est égal à exponentielle et θ. Bon, on a 1 sur 1 moins U est égal à 1 sur 1 moins exponentielle et θ, qui est égal à 1 sur exponentielle et θ sur 2, facteur de exponentielle i moins θ sur 2, moins exponentielle et θ sur 2, qui est égal, bon, lorsqu'on découvre, on aura exponentielle et θ sur 2, multiplié par l'exponentielle moins et θ sur 2 est égal à exponentielle 0, c'est 1. Donc exponentielle θ sur 2 multiplié par exponentielle θ sur 2, c'est exponentielle i facteur de θ sur 2 plus θ sur 2, c'est i θ. Donc, est égal à exponentielle moins θ sur 2 sur, on aura exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ sur 2 avec un moins ici qui est égal à moins exponentielle moins et θ sur 2 sur, et si on va diviser, on va multiplier par 2i, on va diviser par 2i. D'après la forme du L, c'est si, c'est sinus θ sur 2. C'est exponentielle. Donc, moins exponentielle i θ sur 2 sur le z sinus θ sur 2 qui est égal. Bon, on va multiplier le rapport renvoyant par 2. Partie par an, donc on a moins i exponentielle moins et θ sur 2 sur on multiplie ici par i, donc il multiplie par ici moins 1, donc on simplifie par 1. Donc le sinus θ qui est égal à des facteurs de cosinus moins θ sur 2 plus i sinus moins θ sur 2. Avec plus sûr de sinus θ sur 2. Et il y a donc cosinus θ sur 2, si i sinus θ sur 2. Bon, on aura i cosinus θ sur 2 moins i sinus θ sur 2 sur 2 sinus θ sur 2 qui est égal, et multiplié par ici c'est 1, c'est moins 1 avec le moins c'est 1. Donc sinus θ sur 2 plus i cosinus θ sur 2 sur du sinus θ sur 2 qui est égal à sinus θ sur 2 sur 2 sinus θ sur 2 plus i
cosinus theta sur 2 sur sinus theta sur 2 simplifié par i, donc est égal à 1 demi plus i cotangent theta sur 2. D'où réel de 1 sur 1 moins u est égal à réel de 1 demi plus i cotangent t sur 2 est égal donc à 1 demi. Donc, réel de 1 sur 1 moins u est égal à 1 demi. Bon, on passe à la deuxième question. La deuxième question montre que ceci est appartenant. Montrons que si Z appartient à ce type R, c'est-à-dire Z de pariel. Alors, Z moins U, Z bar sur A moins E et réel. Bon. On a Z de moins U, Z de bar. Bon, on a tout d'abord, pardon. On a module du U est égal à 1, est équivalent à U, U bar. Bon. Est équivalent à module du U au carré est égal à 1 au carré. Est équivalent à U multiplié par U est égal à 1 multiplié par 1 est équivalent donc à U bar est égal à 1 sur U. U est différent de 0 car Z appartient, car Z est pas réel. Z est pas réel. U, pardon, une pariel. Donc, U est différent de 0. Car si U est égal à 0, on n'aura pas module de Z qui est égal à 1. U est différent de 0, car module de U est égal à 1. Donc, Z moins U, Z bar sur 1 moins U. Le bar est égal à Z bar moins U bar Z bar bar sur 1 moins U bar est égal à Z bar moins U bar Z sur 1 moins U bar. On va remplacer U bar par un circuit. Est égal, donc je l'écris ici, pardon, est égal, Z bar, Z bar moins U bar, 1 sur UZ sur 1 moins 1 sur U, qui est égal. On va réduire au dénominateur, donc Z bar U moins Z sur
sur U moins 1 qui est égal, on permet de tenir les termes du numérateur et les termes du dénominateur, donc on aura Z moins UZ bar sur A moins U bon. Donc Z moins U Z bar sur A moins U est égal à Z moins U Z bar sur A moins U est égal à Z moins U Z bar sur A moins U appartenant à R. Appartenant à R. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.